Bonjour à tous, je me présente, Julien, des Tontons Maltais que vous pouvez retrouver sur Instagram. Eh bien, les Tontons Maltais, qu'est-ce que c'est? C'est déjà trois amis, Julien, moi, Jack et Jérémy, qu'on se retrouve souvent pour faire des dégustations autour de spiritueux différents, et on donne notre avis entre nous, et cet avis, on le fait partagé sur les réseaux. On va déguster un des quatre Ex Libris. Celui-là, c'est le Smaller Hero de 1998. En fait, donc c'est un blend de rail canadien. Donc on y va. À la vôtre. Donc moi, au nez, ce qui m'interpelle tout de suite, c'est qu'il y a très très peu de marqueurs de whisky. On est plus sur au nez du rhum. Ça envoie, c'est lourd, c'est gras. Et en bouche, on est vraiment satisfait de ce qu'il y a. Et c'est vraiment du fruit, mais qui on voit sec, c'est puissant, c'est presque sale, c'est vraiment un truc étonnant qui change de tout ce qu'on peut boire du whisky. Franchement, c'est vraiment étonnant. Et donc, je vais vous faire part d'une petite anecdote qui m'est arrivée au tout début, quand je commençais dans le whisky. J'allais faire des dégustations à droite et à gauche pour en apprendre un petit peu plus. Et lors d'une dégustation à Whisky Shop, donc on goûtait plein de whisky très 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 bon. Et donc, vient un où on goûte, on est tous d'accord, on part sur... Il y en a qui partent sur Space Eye, il y en a d'autres qui disent « Non, ça c'est plus boisé, peut-être le Japon, etc. » Et surprise, en fait, il s'agissait d'un cognac d'un âge assez avancé. Donc, on était tous un peu en mode, d'accord, bon, on s'est bien fait avoir. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée. Et on se dit à bientôt. Et un grand merci à Cédric pour son travail et son calendrier. À très bientôt, les amis.